Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici dans la salle de l'Alliance française à Paris, mais je sais que vous êtes aussi plusieurs centaines de l'autre côté de la caméra et dans 40 pays, me dit-on, pour cette rencontre organisée par l'Alliance française de Paris en complicité avec l'Institut français. Et nous avons la chance, dans la liste des auteurs que nous avons déjà reçus, la liste est longue maintenant, je ne vais pas la citer à chaque fois, nous avons beaucoup voyagé. Et il y a longtemps que l'on souhaitait recevoir Lenka Ornakova-Sivat, parce qu'elle est peut-être un prototype aussi de ces auteurs qui ont deux langues, qui a utilisé une première langue, sa langue maternelle, paternelle, le tchèque, et puis aujourd'hui qui écrit en français, parce que Lenka est née en Tchécoslovaquie, début des années 70, venue en France au début des années 90, et depuis elle y est restée et elle a publié 4 livres chez le même éditeur, Alma Édition. Et on va feuilleter ces livres et surtout s'intéresser au dernier qui s'intitule « Un regard bleu » et qui a été publié il y a quelques mois. Peut-être ma première question, Lenka, pour faire connaissance, lorsque vous étiez en Tchéquie, quelle image vous aviez de la France? Quelle connaissance vous aviez de la France? Un pays qui était déjà un petit peu familier, qui était lointain, inconnu. Quel rapport aviez-vous, enfant puis adolescente, avec la langue, avec la France? Bonsoir, ravie d'être ici, effectivement, et ravie de... à travers les caméras, de parler en direct avec tous ces spectateurs lointains et en même temps proches, parce qu'à travers l'Alliance française et l'Institut français. Mon rapport à la France petite, c'était un pays où on parlait d'une langue mélodieuse, difficile et incompréhensible, et qui se manifestait par des images extraordinaires. Moi, je la connaissais à travers des livres, à travers des romans évidemment traduits, beaucoup de classiques, reproduction des peintures, des images, cinéma. Alors cinéma, beaucoup Belmondo et Jean-Louis Funès, donc c'était du cinéma peut-être pas très représentatif, mais tout de même très présent. Et ça donnait envie. Et j'ai lu à l'âge de 13-14 ans un roman d'une auteure tchèque, Jarmila Loukotková, et le titre pourrait être « Malgré tout, le poète chante », et c'est, le héros principal était François Villon. Et voilà, c'était une entrée pour moi vraiment dans la vie française historique et en même temps très présente. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai relu quelques poèmes de François Villon et je me disais qu'il faudrait que je les relise toutes. La langue française, elle vient à quel moment? Déjà à l'école, un petit peu plus tard? Comment ça? Vous et la langue française? Moi, la langue française, c'est une histoire de fulgurance, d'amour. Voilà. J'ai fait 2 tentatives d'apprendre la langue française à l'Institut français et à l'université. Et d'un commun accord avec les professeurs, on avait dit que ce ne sera pas possible. Ensuite, je suis tombée amoureuse d'un français et de la langue, et au bout d'un an, j'ai parlé français. Donc, j'ai obtenu mes examens à l'université et je n'arrête pas depuis
donc une petite trentaine d'années, de m'améliorer, j'espère, de découvrir et de travailler, de vivre, respirer dans cette langue. Les cours particuliers et intenses ont été productifs. Ces corrections étaient productives. Ces corrections étaient productives. Parce que, en fait, la question de la langue, c'est la question du rythme et d'oreille. Et je trouvais fabuleux cet amour qu'il avait à la fois pour moi et pour la langue, de corriger pour que la langue ne s'installe pas mal dans mes oreilles. Vous voyez ? Et c'était et puis évidemment beaucoup de lectures et ensuite oui le travail d'apprentissage de la langue comme il le faut, mais c'était d'abord le cœur et les oreilles. Votre parcours de lecture c'est lequel, vous qui venez donc de Tchéquie, d'un monde de l'Europe de l'Est qui est en France donc depuis 30 ans, vos lectures elles vont vers qui, vers l'Est, vers l'Ouest, vers d'autres destinations, vers... Très éclectique, je dirais. À la fois, je lis en tchèque les auteurs contemporains, je n'arrive pas à tous les lire, bien évidemment. En français, j'essaye de lire aussi la littérature contemporaine et toujours retourner vers les classiques, parce que pour travailler aussi la richesse de la langue, c'est quelque chose de très... C'est toujours une source, en fait, la littérature classique, d'une langue riche de vocabulaire, de tournure de phrases. Et non, c'est un peu comme la musique. Je peux presque tout lire, tout écouter à partir du moment où ça me parle. Donc, quelquefois, on rentre dans un roman par une image, par une phrase, par le sujet, par le titre. Je me donne le droit de ne pas terminer les livres tout de même, mais je me donne le droit, autorisation de tous les ouvrir. Donc après, la rencontre se produit ou pas. Et les auteurs d'une langue tierce, un latino-américain ou je ne sais pas, un américain, vous le lisez de préférence dans la traduction tchèque, dans la traduction française ? Les auteurs anglais, je les lis de préférence dans la traduction tchèque. Je trouve qu'elle est plus... juste sur tout ce qui est côté l'humour. Il est plus proche, je pense. Par contre, les auteurs latins, il me semble que la traduction française vont être plus adéquates. Donc oui, les auteurs tierces, on va dire, ou venus d'ailleurs, je fais mon choix. Aussi, je hésite quelquefois peut-être par rapport à la traduction je sais pas, des années 50 ou 30, la traduction plus récente, contemporaine, tout dépend. Je peux lire le même titre dans différentes traductions, rien que pour le plaisir de capter d'autres aspects, ce qu'évidemment la traduction d'époque va traduire plus l'ambiance, la traduction plus moderne va être plus percutante dans les dialogues, on va dire. Après, c'est la capacité de traducteur et son choix de ce qu'il veut, comment il va traduire tel ou tel texte. Mais quel luxe pour vous de pouvoir choisir la langue de traduction, c'est quand même... Tout à fait, je suis parfaitement consciente que c'est effectivement un luxe. Un luxe acquis, hein, c'est pas un luxe inné. Alors, on va feuilleter vos quatre livres parce qu'il me semble que le dernier est peut-être la conséquence, la somme d'une certaine façon des trois premiers. On va voir comment. Le premier d'entre eux, vous l'avez publié en France en 2016, c'est Giboulée de soleil. Il a tout de suite obtenu le prix Renaudot des lycéens. Donc, c'est un livre qui a été très, très bien accueilli et lu par un public jeune. Vous vous souvenez du moment, du déclic où vous vous êtes dit « Allez, je change de langue, je passe à la langue française ». Ça s'est passé comment, ce petit passage? Ça a été là aussi un coup de foudre ou ça a été une longue maturation? J'ai commencé par écrire en tchèque, en effet, en France. Et j'ai été publiée et j'ai vécu cette aventure littéraire avec ma langue maternelle un peu à distance parce que les livres ont fait leur chemin pratiquement en mon absence dans le pays. Et en même temps, on s'écrivait avec notre auteure, Andela Flon-Medevi, qui elle est écrivaine française, vivait à Prague. Et donc cet échange épistolaire se produisait de plus en plus en français, parce qu'évidemment, il fallait aussi apprendre à écrire en français pour moi. Et sa bienveillance devant mes fautes, de nouveau, était grande. Donc, c'était très intéressant de chaque lettre s'améliorer.
Et le goût d'écrire plus qu'une lettre grandissait. Et c'est quand on avait fait avec Anne une petite tournée avec ce livre qui a d'abord paru en tchèque et ensuite en français sous le titre Entre Seine et Vltava, dans le train, elle connaissait déjà cette envie de dire plus dans la langue française. Elle me dit « Raconte-moi ton histoire ». Et j'ai raconté pendant 3 heures dans le train, très sommairement, on va dire, l'histoire du premier roman. Mais c'était en français, c'était en République tchèque. Et quand on est arrivé à Prague, de Moravie, elle m'a dit « Ben voilà, maintenant il n'y a qu'à s'asseoir et l'écrire ». Il est là, ton roman. Et donc, il était évident que c'était un livre qui va être écrit en français parce que les personnages, la manière de le raconter, de le construire, tout était déjà dit. Donc, la naissance de ce roman, elle était d'abord dite. Si vous souhaitez faire le voyage retour de Paris vers Prague ou de la France vers la Tchéquie, les livres d'Anne de la Flotte, Médévi, dont vient de parler Lenka, sont un bon passage. C'est quelqu'un qui a écrit en France La Relieuse du Guet, par exemple, un livre très ancré dans le terroir français, mais qui a aussi écrit le théâtre de Slavek, qui se passe cette fois en Tchéquie. Donc c'est un double regard entre la Tchéquie et la France. Ça donne Giboulée de soleil. Histoire de le premier livre publié, en tous les cas. Trois femmes, trois générations et trois moments de l'histoire de la Tchéquie, de la Tchécoslovaquie, à savoir le nazisme, le régime communiste et puis l'après-chute de l'URSS et du mur. Qui sont-elles ces trois femmes, ces trois femmes que vous connaissez bien? Je les connais bien pour avoir vécu avec eux, mais ce n'est pas en tout cas les membres de ma famille, c'est les personnages qui sont inspirés des femmes qui auraient pu vivre. Et je suis certaine qu'il y a beaucoup qui ont vécu cette possibilité de leur vie me dit que je les connais. Elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont beaucoup influencé et le roman, je l'ai écrit en jeu. Donc c'est trois jeux qui nous invitent à suivre leur vie, leur histoire. Et c'était un choix justement de faire passer au plus près de leur corps et à travers leurs yeux, à travers leur peau, ce qui leur arrive. Donc c'est des femmes relativement simples, elles sont pas spécialement très éduquées, elles n'ont pas une capacité d'analyse géopolitique, donc elles vivent le monde dans un quotidien très simple. Mais elles font avec, on va dire, avec cette histoire qui, de temps en temps, apparaît dans leur cuisine et renverse leurs rêves, leurs espoirs. Et c'est cette immédiateté et cette nécessité de vivre qui m'intéressait. Et est-ce qu'on peut vivre en dehors de l'histoire, en fait? C'est ça. Elles sont dans un huis clos, dans un village, et elles doivent faire avec ce monde qui évidemment, rentre dans leur vie de manière impromptue et toujours assez violente. Elles vivent avec, mais elles vivent aussi sans, et en particulier sans les hommes. Les hommes sont très absents de ce livre, ou alors ont une présence oppressive. Alors, oui, mais elles sont parfois victimes de ces femmes aussi, d'ailleurs, ces hommes-là. Et elles, c'est pas des oies blanches non plus. Il y a quelque chose... Oui, c'est les femmes qui racontent, c'est les femmes qui disent. Les hommes n'ont pas le droit au chapitre, mais bon, c'est comme ça. Dans d'autres livres, on a des voix masculines et les femmes donc à se taire. Donc là, c'est leur point de vue qui m'intéressait. Effectivement, elles sont bâtardes de mère en fille. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette bâtardise qui correspond aussi à la bâtardise, pas exprimée aussi clairement, mais à la bâtardise du pays, de la Tchécoslovaquie, parce que là on parle de la Tchécoslovaquie. Et donc cette correspondance entre leur vie déjà, on va dire, tordue dès la naissance ou dès la conception, et ce pays qui n'arrive pas à se dépêtrer avec sa propre histoire, c'est une métaphore qui se joue à différents niveaux. C'est sur une transmission aussi de cette possibilité ou impossibilité de se vivre pleinement. Et l'axe d'écriture, j'allais dire, c'est la grande histoire que l'on illustre par le biais de l'histoire de chacun de ces anonymes, d'une certaine façon. C'est le petit quotidien de chacun qui est mêlé, confronté à la grande histoire.
C'est dire que la grande histoire, on la fait tous les jours par nos gestes. Sauf qu'on ne le sait pas, on ne se lève pas matin en disant aujourd'hui je vais faire un acte héroïque ou historique. Mais ça peut arriver. Et on ne le sait jamais. Donc c'est aussi l'histoire d'une certaine cohérence à soi, une fidélité à soi peut-être, qu'elle se transmet d'une à l'autre, ou on s'entoure une génération, parce que parfois on pose la question à sa mère et c'est la grand-mère qui vient avec la réponse à la question qu'on n'a pas posée. Donc c'est cette impossibilité quelquefois de pouvoir communiquer, même dans la même lignée familiale, de se comprendre, d'avoir justement cette analyse et recul par rapport à ce qui nous arrive dans le quotidien, et en même temps la décision qui est très importante, elle va être jugée 20 ans plus tard par la génération et 40 ans plus tard par l'autre génération de manière différente. Donc c'est aussi sur ces jugements qu'on peut avoir rapides sur nos aînés, et tout en étant se retrouvant dans les situations incroyablement difficiles en ayant 3 secondes pour décider. Pour terminer sur ce premier livre, Giboulée de soleil, ce titre, cet oxymore, il vient d'où, il signifie quoi? Je la souhaite à tout un chacun, au moins une giboulée de soleil dans sa vie, parce que c'est un moment fulgurant. Giboulée, c'est violent. C'est soudain, fulgurant, ça ne dure pas. Et cette intensité liée avec le soleil, donc quelque chose de beau, ces quelques instants, on peut construire une vie là-dessus. Donc, chacune a eu quand même droit à une giboulée de soleil dans sa vie. Un instant, au moins. Deuxième livre, on est en 2018 pour la publication, toujours le même Alma éditeur, et toujours aussi un joli titre, « Verrière sous le soleil ». Sous le ciel, c'est le soleil qui était avant. Sous le ciel, pardon. Là, il s'agit de l'histoire d'Anna, une jeune fille est venu en colonie de vacances avec son pays, organisé par le Parti communiste, et elle a 18 ans, et sur le quai de la gare de l'Est, elle décide de ne pas repartir vers la Tchécoslovaquie, et elle refuse de rentrer, et elle reste à Paris. Elle a 18 ans, on est en France dans les années 90, ce qui veut dire qu'elle est née un petit peu dans les années, début des années 70. C'est un pur hasard ou... Non, il me fallait une jeune fille de 18 ans pour pouvoir dire non. Mm-hmm. Pour pouvoir dire non étant adulte et pouvoir assumer cette décision. Mais non, ce n'est pas ma vie en fait. Je suis arrivée en France différemment, plus tard, et pas du tout dans les mêmes conditions, mais on pouvait avoir les mêmes interrogations avec Anna, en effet, parce que c'est un livre qui pose la question de qu'est-ce que c'est de quitter sa culture, de se plonger dans une nouvelle culture, dans une nouvelle langue. Est-ce que parler français à Prague, c'est la même chose que parler français à Paris? Est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce que ça résonne de la même manière? C'est la recherche de l'accent, le bon accent, celui-là qui est à soi dans cette nouvelle langue. Recherche des contours de soi par rapport au monde qui s'impose. Et aussi une recherche une découverte d'une autre vérité possible. Parce qu'Anna, elle ne fuit pas un pays, elle n'y retourne pas. C'est différent. Mais tout d'un coup, toutes ces vérités s'effondrent avec la distance prise et l'impossibilité du retour. Déjà, le mot « jamais » ou « toujours » prennent le sens réel. Parce que quand on a 18 ans, on dit « je t'aimerais pour toujours », ça dure 3 mois, c'est formidable. Mais là, elle n'a pas la possibilité du retour. Le « jamais » devient réel. Donc, cet absolu, en fait, modifie évidemment la donne. Et donc, ce qu'elle pouvait croire être vérité est remise en question, bien évidemment. Ce qu'elle pouvait penser sur ses parents ou sur son pays, sur l'histoire, même ce qu'elle a appris sur la France, tout est rebattu. Il faut se défaire d'un certain nombre de choses, il faut en acquérir d'autres. Il faut se déprendre, en effet, de soi. Et elle, la vraie France qu'elle connaissait, elle est au Père-Lachaise. Ils sont tous là, les romanciers, les peintres, ils sont... Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie France, elle est derrière le mur, évidemment. Donc, il faut
traverser pas un, mais plusieurs murs pour arriver à une vie réelle. Et la vraie France, elle est aussi dans les rencontres qu'elle va faire. Il y en a quelques-unes de ces rencontres qui sont importantes. Il y a Bernard, bon, très sensible à ce prénom, et en plus il tient un café, donc c'est très bien comme profession. Personnage important, ce patron de bistrot. Alors c'est le patron de bistrot qui est important, et c'est le lieu aussi qui va être important pour elle. Le café, c'est primordial, en effet, c'est sûr. Là, je suis absolument d'accord avec Jean Steiner, café, c'est l'Europe. Donc, c'est le lieu où se passe la vie. Mais ce café-là, c'est un peu comme un théâtre, les personnages y rentrent, jouent un certain rôle, ils sont sur une scène, sous un éclairage, ils donnent de ce qu'ils veulent bien donner, donnent à voir, à entendre, et sortent du café. En dehors du café, on ne connaît pas la vie de beaucoup de personnages, et quand on la découvre, évidemment, elle tranche avec leur manière de se présenter au public. Et Anna, dans ce café, rencontre toute une panoplie de personnages qui, chacun à sa manière, lui raconte à la fois leur exil, parce que chaque personnage a une sorte de voyage de soi, en dehors de son milieu professionnel, milieu familial, linguistique, et on découvre ça au fur et à mesure, ce qui fait que sa solitude se dilue avec ses rencontres. Et en même temps, justement, il faut qu'elle cherche qui est-elle. Donc, ce Bernard, oui, c'est un communiste qui va à la fête de l'humain et elle se demande, mais est-ce que je suis condamnée toute ma vie à fréquenter les communistes? Enfin, pourquoi en France, je tombe sur un? Et en même temps, elle se dit, est-ce que d'être communiste dans tel ou tel pays, est-ce que c'est la même chose? Voilà, donc... Les doutes sont vraiment, les questionnements sont très importants. Parmi les personnages, il y a ce duo de, les prénoms sont proches, Jacob et Yacoub. Dites-nous deux mots sur ce duo. Ça c'est les premiers professeurs du français appliqué. Ouais, ouais. C'est deux petits vieux qui arrivent au café évidemment tous les matins et ils parlent de la météo et comme ils regardent pas tous les deux la même chaîne à la télé, ils ont pas la même météo. Donc c'est un sujet de conversation inépuisable. Et puis surtout ils parlent de la météo au bord de la Méditerranée. Et donc, c'est parce que ils en viennent, c'est leur berceau. Donc, il y a quelque chose qui est, c'est un peu les fondamentaux, on va dire, de l'humanité, parce qu'ils transportent les dieux grecs, les romains, enfin, toute la mythologie dans leur barbe. Et en même temps, oui, cette proximité à une lettre près, à un dieu près, c'est les mêmes. Voilà, sauf qu'évidemment, ils sont tout à fait différents. Et en même temps, copie conforme. Et puis, il y a cette femme. Très, très, très mystérieuse, Grovka, là aussi quelqu'un qui est, elle, par rapport aux autres, elle est plus énigmatique quand même. Oui, c'est un peu comme un personnage d'un conte de fées, elle apparaît, c'est une femme puissante, mais sa puissance, c'est une puissance qu'elle fabrique, c'est une femme qui a une très étrange vision de liberté. En fait, tout cela, évidemment, c'est une interrogation de ce que c'est la liberté. Et elle a une impossibilité de vivre réellement libre en dehors des règles qu'elle impose au monde. C'est un personnage tragique, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle personnifie cette difficulté de l'exil qui ne se dit pas. Alors, deux derniers personnages que je voudrais que l'on évoque parce que ça nous amène à la peinture. Alors, je n'avais pas dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi artiste peintre, en dehors de vos activités d'écrivain, d'écrivaine. La jeune fille, là, Anna, elle rencontre un artiste, Albert, et elle a, une sorte de presque de conversation au Père Lachaise avec Modigliani. Alors, ces deux personnages qui portent le même prénom, d'ailleurs, Albert, qui sont-ils et quel rôle vont-ils jouer pour elle? Le peintre, il montre le monde. Alors, a priori, c'est lui, c'est évidemment, c'est un Pygmalion, c'est lui qui souhaite la façonner, qui prétend la façonner. Et c'est là où elle va dire son deuxième nom. À un moment donné, elle ne rentre pas, c'est sa première décision de femme adulte.
Et le deuxième non, c'est quand on tente de lui imposer des contours dans lesquels elle ne veut pas rentrer. Donc c'est une confrontation de peintre et de modèle, où modèle échappe, ou peut-être renverse les rôles d'ailleurs. Et au-delà de l'histoire d'amour, c'est une histoire de création, mais de création d'un être vivant, d'une femme adulte qui découvre ce que c'est la liberté, c'est donc la responsabilité. Et de son corps aussi. Et de son corps aussi. Et le corps est important, rien ne se fait en dehors du corps, ce n'est la pensée, l'idée, le concept abstrait n'existe pas tant qu'il ne traverse pas le corps. Donc, elle colle les idées au corps et vice-versa. Et évidemment, peinture, c'est la matière. C'est un sculpteur frustré parce qu'il ne peut plus faire la sculpture. Donc, il y a aussi cette frustration et cette impossibilité de s'accomplir lui en tant qu'artiste qui est là. Et Modigliani. Bon, déjà, j'aime beaucoup ce peintre. Évidemment, la relation avec ses modèles m'intéressait beaucoup. Et cette impossibilité de Jeannet Buterne de survivre au peintre est assez fascinante, tragique, mais fascinante. Anna survit à la mort de son peintre, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Grofka. Alors, on va laisser Anna, on va aller vers le troisième livre qui s'intitule La symphonie du Nouveau Monde, titre emprunté à Dvorak. Et là, on va rencontrer à la fois des personnages de fiction et des personnages qui appartiennent à la réalité, à l'histoire. Le premier de ces personnages, qui est un personnage qui a vraiment existé, c'est Vladimir Vostok, qui a été consul à Marseille pour la Tchécoslovaquie à l'époque. En mai 1938, c'est-à-dire quasiment quelques mois avant l'invasion par le Troisième Reich de la Tchécoslovaquie. Cet homme devient consul d'un pays qui n'existe plus d'une certaine façon, mais il va continuer à se servir de ses tampons et de son pouvoir de consul pour faire des papiers, et en particulier auprès de populations menacées, populations juives, mais pas seulement à cette époque-là. Ce qui lui vaudra dans sa vraie destinée une exclusion dans son pays à son retour, et ce qui lui vaudra d'être reconnu juif parmi les nations par Yad Vashem, mais a posteriori et post-mortem. Alors ce personnage, pourquoi l'avoir choisi? Comment est-il arrivé dans votre vie? Comment l'avez-vous connu? Moi, je l'ai rencontré grâce à un membre de corps diplomatique tchèque. Et c'était une découverte vraiment un peu tombée du ciel. Il y a une dizaine d'années, je ne savais pas que cet homme existait. Et c'est ce fait-là qui m'avait arrêtée. Ce trou de mémoire, en fait, collectif. C'est un livre de silence, je dirais. Ou contre le silence, peut-être. Parce que j'ai trouvé ça triste, terrible, dramatique, qu'un homme de cette envergure, de cette capacité-là humaine, n'était pas dans nos mémoires. En France, bon, il n'y a pas tellement le souci parce qu'il y avait plusieurs diplomates qui travaillaient, qui se sont conduits de la sorte, enfin, de manière admirable, qui ont choisi l'humanité à tout règlement qui leur était imposé, mais qu'en République tchèque, on ne le connaissait pas, sauf quelques effectivement historiens et journalistes qui ont fait en sorte qu'en 2016, il soit inscrit à Yad Vashem, juste parmi les nations. Et donc, son histoire m'intéressait déjà, effectivement, ce qu'il avait fait, mais je n'avais pas envie de faire un biopic ou juste une biographie simple, parce qu'il y avait déjà un travail d'un journaliste, c'était son travail de doctorat, mais qui est disponible sur Internet, mais que personne ne va lire, parce que c'est un travail documentaire et relativement sec sur le plan de lecture elle-même, mais très bien documenté par contre. Et puis ce phénomène de l'oubli, de comment l'histoire peut broyer ces héros, on va dire, parce que plusieurs personnes sont là grâce au geste de cet homme, et à quel point ce geste peut être oublié, peut être anéanti quelque part. Et donc c'était
D'où d'ailleurs le deuxième personnage qui narre l'histoire, enfin, qui est dans le roman, qui aussi est un personnage du silence, qui ne peut pas parler, qui, si on ne le considère pas, restera muet à jamais. Et donc, c'était ce silence-là qui m'avait vraiment amené vers ce Vorhoch, vers ce consul. Et puis, sa personnalité était assez extraordinaire. C'est effectivement de convaincre les autorités françaises, directeur de la police, la préfecture, que c'est pas grave que le pays n'existe pas. Ce qui importe, c'est que le fonctionnaire du pays existe et peut exercer ses fonctions. Vous voyez, pour pouvoir distribuer les vrais faux papiers. Je trouve ça assez grandiose en définitive. Donc, voilà, il y avait un potentiel romanesque dans les actions et dans la vie, dans le caractère de cet homme qui était vraiment là pour qu'on puisse passer quelques pages ensemble. Mais vous avez tenu néanmoins à lui adjoindre à ce personnage qui a réellement existé des personnages de fiction, en particulier cette femme avec une enfant, une petite fille, Bojena et Josefa. Elle joue quel rôle par rapport à cet homme? Elles vont être les victimes de l'autre côté, hein, une sorte de, comment dire, de contrepoids romanesque. Elles sont pas tellement victimes. Si Vorhoch, à la différence des personnages du premier roman Giboulée de soleil, Vorhoch a une analyse et une connaissance historique très développée. C'est un intellectuel, c'est un juriste, l'avocat de droit international, expérience d'un différent poste à l'étranger, assisté en tant qu'attaché attaché juridique déjà pendant la conférence de Paris dans les années 20. Donc vraiment quelqu'un qui voit ce qui se passe et qui voit ce qui va se passer d'ailleurs. Il l'analyse. En face, Bojena, c'est un instinct. C'est une mère et il faut survivre. Il faut sauver son enfant. Il faut sauver l'enfant et il faut sauver la poupée qui doit être dans les bras de l'enfant parce que l'un sans l'autre n'ont pas de sens. Et donc, chacun résiste, on va dire, d'une certaine manière à ce que le monde lui impose. Vorhoch, avec son intellect et son travail qu'il fait, parce qu'en fait, son héroïsme, il est dans le fait de faire son travail. Et Bojena, en se conduisant comme une tigresse à qui on veut enlever son bébé. Donc, elle n'accepte pas la guerre. Elle dit, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de faire vivre cet enfant. Donc, il y a quelque chose de, à la fois un refus très réfléchi, enfin, une résistance très réfléchie, et de l'autre côté, un instinct qui vous fait faire des choses assez extraordinaires, parce que pas par la seule conviction que la vie doit emporter. Donc c'est vraiment les deux, on va dire, les deux manières de se dresser à la Panzer Division, on va dire. Et vous faites, vous utilisez un artifice romanesque que j'aime beaucoup, c'est de faire parler la poupée de la petite fille, parce que la poupée, elle a tout vu, elle a tout vécu, et elle a sa propre voix et son propre regard déjà. Oui, mais la mère, elle est trop débordée par justement cette survie immédiate pour pouvoir nous raconter quoi que ce soit. Le bébé est trop petit pour avoir le regard, on va dire, intelligible. La poupée, moi, j'étais très, très contente de rencontrer la poupée parce qu'elle avait ce regard impertinent et en même temps, assez, à la fois très concret et parfois très distancié par rapport à ce qui se passait. Donc, c'était pour moi une possibilité de raconter la guerre. Parce qu'il y avait il y a énormément de romans qui racontent la guerre de manière magnifique. Et moi, il me semblait que je n'avais pas les moyens, on va dire, autrement qu'en compagnie de cette poupée, d'aborder le sujet. Donc, mais il faut que je signale que même le parcours de Bojena et Josefa est basé sur une réalité qu'effectivement, il y avait beaucoup de femmes tchécoslovaques ou polonaises ou autres, beaucoup d'origine juive, bien évidemment, la guerre, elle était là pour tous. Les hommes se bagarraient, les femmes erraient. Et donc, cette errance et cette recherche d'un endroit tranquille où on peut attendre que la guerre passe, tout en se dressant contre elle,
c'était aussi la guerre. Comment vous avez fait pour faire cohabiter d'une certaine façon ce personnage réel qui a vraiment existé, dont j'imagine qu'il y a des traces, même si elles sont peu nombreuses, il en existe, donc il y a des choses qui sont parfaitement attestées, avec ces personnages de fiction, quoi. Ils ont fait bon ménage, ou de temps en temps les personnages de fiction vous tiraient vers une sorte d'imaginaire, mais le consul vous ramenait à la réalité, ou comment vous avez navigué, vous, la romancière, au milieu de ces personnages? On a beaucoup discuté à trois, le consul Poupée et moi, parce qu'effectivement, c'est deux caractères très forts, aussi bien le consul que la poupée. Oh, le troisième est pas mal non plus. Oui. mais c'est le cœur du travail du romancier, de trouver cet équilibre entre ce qu'on raconte, comment on le raconte, et puis tout le reste. Bien évidemment. Donc, c'est l'alchimie peut-être, à un moment donné, a fonctionné. C'est beaucoup de travail, beaucoup de relecture, beaucoup évidemment, la fois justement du travail de documentation et des choix. Qu'est-ce qu'on choisit à raconter d'un personnage historique? Évidemment, on va omettre, on va mettre de côté beaucoup d'informations qui peuvent paraître importantes pour tel ou tel lecteur, mais c'est ça le privilège du romancier, c'est ce choix-là. Et moi, j'ai décidé de parler de ceci et comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez, finalement, c'est le troisième caractère qui a... Le troisième qui emporte, c'est le chef du stylo. Voilà, c'est ça. Alors, le chef du stylo, il est aussi celui du quatrième roman. Je disais tout à l'heure que c'est un peu la somme, non pas du tout par l'histoire, vous allez voir pourquoi, mais peut-être par le fait qu'il y a la peinture, par le fait qu'il y a l'histoire, qu'il y a la réalité et peut-être une part de fiction. Alors ce livre, c'est Un regard bleu qui vient de paraître il y a quelques mois en France. Et ce livre commence par une sorte de scène inaugurale, on est en 1656, on est à Amsterdam, et vous avez un monsieur qui est sur le pas de sa porte et qui voit en quelque sorte sa maison se vider, parce que les huissiers sont là, ou en tous les cas des personnes sont là pour se saisir de ses biens. Et à la fin du paragraphe, on s'aperçoit que ce personnage qui regarde les autres, c'est rien moins que Rembrandt. Voilà, Rembrandt assiste à sa dépossession de ses biens, alors que lui qui a été quand même un peintre reconnu de son temps, sa maison se vide sous ses yeux et il croise à un moment un vieil homme qui est là dans la foule, qui est un regard bleu et qui sera le titre du livre. Et cet homme qui se cache derrière le regard bleu, c'est un certain Comenius. Alors, on reviendra sur ce personnage-là avant, mais il se trouve qu'à la toute fin de votre livre, Lenka, dans la note de l'auteur, vous nous racontez l'origine du livre. Ça s'est passé en Italie, ça s'est passé à Florence, ça s'est passé à la Galerie des Offices, et vous êtes devant un tableau. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous. C'est un tableau qui m'est très familier. Et je m'interroge sur la familiarité du tableau, parce que parfois les œuvres nous arrêtent, on passe dans un musée, et de temps en temps on fait le pas en arrière, parce qu'il faut qu'on retourne voir celui-là, ce qu'on a aperçu à peine. Et cette familiarité, je n'arrive pas à l'attribuer si c'est l'auteur ou si c'est le sujet. C'est un vieillard, bon, ce n'est pas quelque chose de très, on va dire... ni novateur, ni particulièrement beau, etc. Mais quelque chose m'arrête. Et c'est un tableau qui, depuis 1965, est attribué à Rembrandt, première chose. Et il est aussi dit que c'est peut-être le portrait de Comenius. Alors, je ne sais plus si cette familiarité est de l'auteur ou du sujet. En fait, les deux me parlent terriblement, me saisissent en définitive, je n'arrive pas à trancher. Mais pour moi, ces deux peut-être me suffisent pour bâtir le roman. Et donc, c'était... oui, chaque livre est, je pense, produit d'une rencontre. Et là, la rencontre a eu lieu à double titre, on va dire.
Donc, parce qu'en fait, le catalogue de Rembrandt, il est revisité en permanence. On attribue, on désattribue, on dit peut-être là oui, parce que ça, c'est des parties du tableau que Rembrandt a fait certainement. Celle-ci, ça va être plutôt ses élèves, donc on va enlever. Le tableau n'a pas de signature. Par contre, son histoire est sûre. C'est Cosma III de Médicis qu'il a acheté dans l'atelier de Rembrandt, ce qui peut justifier son attribution comme ça peut être les tableaux des élèves. Mais quand on voit sa facture, on y croit. Alors, on va y croire au moins cette soirée. Et vous allez imaginer donc la rencontre entre ces deux personnages. Alors, on va essayer de faire connaissance avec ces deux personnages. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Rembrandt déjà? C'est le peintre ou c'est l'homme? Ou les deux? Les deux, je pense que c'est indissociable en fait. Il me semble qu'on ne peut pas scinder un artiste de cette envergure, le saucissonner en différents aspects. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment son regard. Et Rembrandt cherche l'homme. C'est un peintre qui s'est le plus autoportraituré de tous. Il a dépassé Picasso et Van Gogh de loin. Il ne cherche pas le narcisse, il ne se cherche pas beau. Il cherche là où il se trouve sa fragilité, donc les rides, les pustules, les cicatrices, les grimaces. Il se dessine en grimaçant parce qu'il veut capter qu'est-ce qu'il fait que l'émotion soit lisible sur le visage. Donc il se met en danger et il est en même temps conscient qu'à se voir dans le miroir, il n'est que devant un reflet. L'homme est derrière ce reflet. Enfin, c'est un travail sans fond en définitive. Donc peintre lui-même. Il n'est jamais seul avec soi, il y a toujours ce miroir. Donc peut-être la peinture est plus vraie que ce reflet du miroir. Enfin, bon, on peut parler de la peinture de Rembrandt sans fin. Et en même temps, ses portraits les plus fabuleux, c'est fond noir et la personne seule. On est 17e siècle, séparation de l'homme et de Dieu, première tentative de émancipation, on va dire. Raison va emporter. Et Rembrandt nous dit, d'accord, mais vous serez seul. Est-ce que vous allez être assez fort, tout un chacun l'homme, d'être seul avec vous-même devant ce qu'on demande, cette émancipation? Enfin, je trouve ça très fort. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement moderne encore maintenant, parce que ses portraits, il ne nous fait pas beau. Aucun de ses portraits n'est d'une beauté, on va dire, classique, de séduction. Non. Et en même temps, dans chacun de ses portraits, il y a un peu de Rembrandt, il y a un peu de sa vérité à lui. Donc oui, il m'intéresse ce peintre depuis... En même temps, il est, enfin, en tous les cas, dans bon nombre de situations du livre, il est peu aimable, il n'est pas amène, il n'est pas... Il n'a pas le temps d'être aimable, non. Je crois, il cherche la justesse, et justesse n'est pas aimable, à vrai dire, ça prend du temps d'être aimable, et je crois, enfin, lui en tout cas le juge comme ça, il n'a pas le temps d'être père non plus, et il en même temps... Il n'a pas le temps de lire non plus. Il n'a pas le temps de lire, il a déjà un livre, il l'a lu, la Bible, ça suffit. Ouais. On veut lui en offrir un, il dit non, j'en ai non, déjà. Non, merci, ça suffit comme ça, ouais. Voilà. Donc, c'est un homme qui est débordé par lui-même. Très exigeant. Très exigeant en même temps, exigeant aussi avec lui-même. Il ne bâcle pas ses peintures et ses dessins. Il fait le tri, il jette, il brûle. Exigeant avec ses modèles aussi. Exigeant avec ses modèles, exigeant avec le monde. Le monde, Oui, il y a une exigence assez totale. Ça peut être un artiste, enfin bon, on ne va pas dire totalitaire, mais total dans le sens où tout doit être à la hauteur de ce qui peut être. Et là, il se retrouve avec son interlocuteur. J'insistais sur la longueur des pauses qu'il demande à ses modèles, parce que c'est en quelque sorte la raison presque de votre livre. Parce que si les pauses sont longues, ça veut dire qu'il peut y avoir une conversation entre le modèle et lui, non? Tout à fait. Moi, j'imagine mal d'avoir un philosophe chez soi pendant 4 heures et de ne pas échanger un mot avec lui, tout en se prenant pour philosophe. Parce que Rembrandt nous dit, le peintre vaut le philosophe. Il y a tout de même cette bataille de l'image et de mots, cette concurrence et compétition, cette lutte acharnée à la primauté. Et évidemment, le peintre prétend que c'est l'image qui vaut, qui nous dit le monde avec plus de justesse.
Et le philosophe, lui, opine, c'est le monde. On convient, il le dit. Après tout, il se peut que le peintre ait plus de force avec son pinceau que moi, avec ma plume. Oui, parce que le doute, évidemment, à la recherche de la phrase juste, l'écrivain confirme, on n'est jamais sûr que de la justesse, de la manière de ce qu'on veut dire, est-ce que c'est vraiment dit bien par la phrase qu'on vient de poser? Parce que déjà, l'intention, quand on commence à la dire, c'est une traduction de cette intention. Donc peut-être que le peintre a la possibilité de manifester cette intention, de la matérialiser par la peinture, par le dessin, mieux qu'on ne la dépeigne avec les mots. Voilà, la question est posée. Moi, je n'ai toujours pas la réponse. Je vous invite à prendre part à la discussion. Alors, l'autre personnage, Comenius, alors, qui est-il? Parce que s'il est très connu en Tchéquie, vous allez nous le dire, quand même un très grand inconnu en France. Alors, on connaît un petit peu le fait qu'il y ait le projet Comenius, des choses, mais bon, peu nombreux ici, enfin, ou en tous les cas en France, à connaître ce Jan Amos Komenski, de son vrai nom. J'ai les dates sous les yeux, je vous les rappelle au cas où. 1592-1670, au cas où vous auriez eu une petite absence de mémoire. Qui est-il, ce philosophe, pédagogue? Voilà, pour moi, c'est un premier européen. C'est ce qui me vient d'abord à l'esprit, mais enfant, j'ai appris que c'est le père de la pédagogie moderne, ouais. Que c'est quelqu'un qui a inventé mon école. Michelet dit que c'est le Galilée de l'éducation. Parfaitement, je suis d'accord. Donc, et c'est vrai, il a, si on appliquait le système éducatif qu'il a écrit dans les années 1640, je pense qu'on se porterait très très bien. Parce que de là, l'école maternelle, c'est le premier traité de l'école maternelle, c'est de sa main. Premier manuel illustré pour les enfants, c'est de sa main. Traductologie, début de la philologie, début de psychologie évolutive, tout cela, cet homme a pensé en plus du reste. Ça veut dire, il dit, on peut tout enseigner à tout le monde. J'ai la méthode. Du plus simple au plus compliqué. Par exemple, par les sens, puis si ça ne passe pas, ben on recommence. Voilà. 2000 pages, mais en substance, c'est à peu près ça. Répétition du plus simple vers plus compliqué. Et en plusieurs langues d'office, si possible. Ça veut dire qu'on apprend la langue maternelle d'abord, c'est on naît tous d'une mère. Ça, c'était une découverte, par exemple. Donc, on naît tous d'une mère. Si on laisse les mères tranquilles, elles mourront moins souvent en couche. Ça paraît simplissime, mais il fallait le penser, il fallait le dire. On est dans un siècle où Cardinal de Bérulle jugeait l'âge d'enfance abject. On ne voulait pas voir les enfants, on les attifait dans les vêtements des adultes pour ne pas voir qu'ils sont petits et qu'ils ne comprennent pas le monde. Comenius, il dit non, ce sont les enfants, ils sont potentiels, ils peuvent devenir meilleurs que nous. Ça, c'est quand même pas banal de dire que votre enfant peut devenir meilleur que vous-même, parce que normalement, ça abolit l'autorité paternelle, qui est là, le père sait tout, n'est-ce pas? Et donc, c'est des choses, c'est des observations très très simples qu'il met en pratique. Aux méthodes, et c'est toujours valable. Donnez-nous une idée de sa place en Tchéquie. Dans toutes les écoles, quand on y rentre, on voit une petite image d'un vieux barbu, on dit ça c'est Comenius, Jan Amos Komenský, c'est le père de la pédagogie moderne, de l'école, et on a de temps en temps dans les classes ces préceptes, école par le jeu, apprentissage par le jeu, voilà. Donc on joue à l'école par exemple. C'est très bien. Donc on a tout un tas de... C'est quelqu'un qui est entre Pascal, Montaigne et Jules Ferry, on va dire. Ou les trois à la fois. Oui, c'est pas mal. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a quand même écrit la lettre à Louis XIV pour lui dire que la guerre, ça suffit. On va peut-être inventer l'Union européenne. La Cour de la justice européenne aussi, ce sera pas mal. L'ONU, c'est bien comme l'idée. Et tout est écrit.
Sauf que Louis XIV n'a pas répondu, ce qui est dommage. Tout de même. On a mis 3 siècles de plus pour y songer sérieusement. Il dit aussi que la guerre est facile, mais que la paix est difficile. Voilà, donc c'est un écuméniste. Il dit, c'est bien, on prie le même Dieu, pas de la même manière. Peut-être on peut trouver le terrain d'entente. Donc, voilà, ça paraît presque banal. Mais quand on le met dans le contexte du XVIIe, évidemment, je ne sais pas si c'est un révolutionnaire ou si c'est un réformiste tranquille avec une puissance de persuasion. Un réformiste de velours ? Un réformiste de velours, probablement. Mais je prends, merci. Très bien. Et évidemment, je suis assez fascinée par cet homme parce qu'il est tout comme Rembrandt, tous les deux d'une modernité extraordinaire. Et Comenius était exilé, vous l'avez dit. Protestants, donc contre-réforme, le chasse de Bohême et de Moravie, le royaume de Bohême, et cet homme passe 36 ans en exil. Donc la Pologne, c'est la Suède, c'est l'Allemagne. C'est la Transylvanie, c'est toute l'Europe du Nord, pas Paris. Il est européen par la migration aussi, par la. Il découvre en effet l'Europe. Moi, je me suis amusée à regarder le parcours de Ulysse en Méditerranée et le parcours de Comenius en Europe du Nord. Ils sont à peu de choses identiques. C'est impressionnant. Vraiment. Et donc, Comenius, il découvre l'Europe avec ses pieds. Partout, il y a des enfants, partout, il y a la guerre. Partout, il y a quand même les mères malheureuses à éduquer la chair à canon pour la guerre suivante, parce qu'il y en a une qui va arriver, d'où son idée de la paix quand même. Et il dit, ok, donc les hommes, je n'y peux rien. Il prie chacun comme bon lui semble, en définitive. Mais les enfants, je peux en faire quelque chose de mieux que des futurs soldats, que des mercenaires. Que des victimes de ce que je vois autour de moi. En fait, donc cette réflexion qu'il tire, l'exil ne le terrasse pas. Il est malheureux, il a quitté son pays natal, sa langue maternelle ne lui est d'aucun usage à l'étranger. Donc il l'écrit quand même encore en tchèque, mais c'est le latin qui va emporter. Même ce latin, il veut l'enseigner à tout le monde. Il dit pourquoi commencer comme les jésuites le latin par Horace ? Les gamins annonnent les vers qu'ils ne comprennent pas. Vaut mieux leur apprendre en latin le nom de la chaise, de la table, et puis ensuite, plus tard, ils liront Horace, ils comprendront ce qu'ils liront. Ça n'a pas plu. Hein, ça. Donc, c'est vraiment philosophe appliqué. Voilà. Comment vous expliquez que cet homme qui est en Tchéquie, tout enfant et tout le monde connaît son nom, qu'en France, il soit dans un tel anonymat, alors qu'il est d'une modernité par ses idées. Je ne sais pas, pour prendre un exemple qui a quelques décennies plus tôt, mais Erasme ne nous est pas inconnu et Comenius nous est inconnu. Je pense que ces questions, beaucoup des questions de traduction de ses œuvres, de la circulation des œuvres, Richelieu l'a invité. Richelieu a invité Comenius pour qu'il mette en place le système éducatif en France, parce qu'il, bien que cardinal, il n'était pas... Il n'était pas tout à fait satisfait de l'enseignement dispensé par les jésuites. Malheureusement, Richelieu est mort et le projet n'a pas eu lieu. Et Comenius est parti à la cour de Christine de Suède. Bien, c'était un protestant. On est quand même à la fin de la guerre de 30 ans. C'est compliqué de faire venir un protestant dans un pays catholique en disant « écoutez-le, il a raison ». C'est difficile. Ensuite, cette période, en 1670, je crois, ou 77, Pierre Bayle a créé un dictionnaire dans lequel il consacre 3 pages à Comenius. Et Comenius est aussi assez mystique encore. Il y a cette histoire de c'est vraiment la fin du Moyen-Âge et début des Lumières. Comenius est un homme qui est vraiment au seuil de ce changement d'époque qui se produit. Et Pierre Bayle, même s'il lui accorde quelques points positifs, on va dire, le descend terriblement, ce qui fait que Diderot et d'Alembert ne le reprennent pas dans l'encyclopédie quelques années plus tard. Ça se joue à peu. Donc voilà, mais Comenius, si Machiavel élève le prince, Erasme élève les élites, Comenius veut élever tout le monde.
Donc, il y a peut-être aussi quelque chose de fondamentalement gênant, dérangeant chez cet homme qui dit les filles peuvent être évêques, elles peuvent conseiller les rois. Vous voyez, c'est pas très bon à entendre dans ces moments-là au XVIIe siècle. La romancière que vous êtes, qu'est-ce que vous faites de ces deux personnages, de Comenius et de Rembrandt? Donc l'un va poser pour l'autre et ils vont se mettre à dialoguer. Ce dialogue, il vient d'où? J'imagine que vous avez consacré beaucoup de temps à lire un certain nombre de documents, à vous renseigner sur Rembrandt, sur Comenius, etc. Mais là encore, la romancière intervient. Ce dialogue, il a eu lieu vraiment, c'est sûr, c'est attesté, ou c'est encore les deux peut-être qui ça, on a sur la certitude, ça n'a aucune importance en fait. Moi, ce qui m'intéresse, quand on met côte à côte les pensées de Comenius, donc ce regard très universaliste sur les gens et ce regard très singulier de Rembrandt, le dialogue s'impose. La dispute, vraiment la rencontre entre ces deux manières de voir l'humain, intellectuellement, c'est très excitant en définitive de se dire de quoi pourraient parler ces deux-là. Il y a une joute entre deux. Vous créez une joute, une espèce de joute intellectuelle. Mais parce que ça m'intéresse, je pense que c'est un roman de questionnement. Moi, j'espère n'apporter aucune réponse d'ailleurs. Les trois questions qu'on se pose, j'espère, de temps en temps, qui nous sommes, comment nous sommes et pourquoi sommes-nous là, il propose des possibilités de réponse. Certains les affirment de manière très brutale, bien évidemment, Rembrandt n'est jamais dans le conditionnel, mais c'est je pense qu'il nous parle de ce qu'on de nos interrogations profondes, et d'avoir la réponse définitive, c'est effrayant. En plus, il parle au-delà de leur mort. Ce qui les intéresse, c'est l'immortalité. Ils pensent la vie après leur mort, ils pensent leur œuvre après leur mort. Enfin, c'est cette gloire qu'on n'entend plus comme elle était entendue au XVIIe siècle. J'aimerais nous l'amener, ce temps très long, ce temps qui nous dépasse. Moi je trouve qu'on vit dans une époque qui est très très rapide, et de l'étirer un petit moment, c'est quand même une victoire. J'imagine que vous avez pris un grand plaisir aussi à parler de la peinture et de la manière de peindre de Rembrandt, parce qu'on est dans son atelier là, on le suit, on le voit faire, on a l'impression de vivre un peu la scène. J'imagine, je sais pas, un grand plaisir à faire ce travail de romancière sur le peintre. Ah oui, je me suis vraiment permise et éclatée à faire les descriptions, et peut-être même de chercher les motivations du peintre. Motivation, évidemment, on ne sait jamais pourquoi un peintre fait un tableau. Il ne sait quelquefois pas lui-même pourquoi il fait pourquoi il fait tel ou tel dessin ou telle ou telle peinture, mais quand il ne s'agit pas des commandes très précises, et encore, même dans la commande, évidemment, on rentre toujours de soi ce qui n'était pas demandé, surtout. Mais oui, c'est de saisir quelque chose d'un mouvement de pinceau de Rembrandt, oui, et puis c'est là peut-être qu'on va chercher cet homme-là, qui n'est pas peintre, qui échappe au peintre et qui se pose dans la peinture, ce père de cette paternité qui l'effraie tant, et en même temps qu'il considère comme importante. Oui, la postérité, de nouveau, elle est là. Donc c'est une... Non, pour moi, c'était un très bon voyage dans la peinture de Rembrandt. Pour nous aussi. Il y a une espèce de superposition dans les tableaux de Rembrandt, tels que vous les décrivez à un moment, entre l'autoportrait, Homère et Comenius. À un moment, on ne sait plus très bien qui est devant. Alors, c'est un peu toujours Rembrandt, d'une certaine façon, mais il prend de temps en temps modèle sur un personnage... De légende, et puis un personnage qu'il a devant lui. Mais je pense que c'est de recherche de cette gloire, de cette intemporalité, de cette immortalité. Le poète,
est toujours avec nous ici, Homère. On va le citer, on va le lire, pourquoi ne pas le peindre? Mais il faut trouver la bonne tête. Enfin, donc il y a quelque chose qui... Rembrandt est là, il peut s'attaquer aux philosophes, il peut s'attaquer aux poètes, et je pense qu'il veut leur insuffler la vie. Il se prend vraiment pour celui-là qui peut leur donner la vie. Donc s'il trouve le bon regard, bien que le poète soit aveugle, c'est ça, ça l'excite en tant que peintre. Je tiens le sujet, je passe jamais à côté d'un sujet, dit-il. Tout à l'heure, je parlais de la scène inaugurale là, donc de Rembrandt qui est sur le pas de la porte et qui voit ses meubles et ses effets partir. Pourquoi avoir choisi cette scène et mettre... Ça s'est imposé ou c'est une scène qui est venue dans un deuxième temps et vous l'avez mis en premier parce qu'elle vous semblait un petit peu révélatrice ou vous vouliez mettre Rembrandt dans une position difficile, délicate? La fragilité de sa position, évidemment, une très bonne porte d'entrée pour ausculter, pour interroger le peintre. Qu'est-ce qui est ébranlé? Sa vie matérielle, mais pas sa conviction. Et c'était aussi se donner en spectacle. Je trouvais que cette scène disait beaucoup sur le caractère que moi je donnais à Rembrandt, parce qu'évidemment c'est mon Rembrandt et mon Comenius, parce qu'après avoir lu et étudié quelques matériaux, il fallait les oublier pour pouvoir en tirer les personnages du roman. Il me semblait que c'était une porte d'entrée qui lui allait bien et qui donnait la possibilité de cette rencontre d'abord furtive, de reconnaissance, par un simple regard de quelque chose se passe, une sorte de coup de foudre. Et historiquement, c'est juste, en fait, Rembrandt vraiment effectivement a une faillite, une banqueroute personnelle à ce moment-là, et c'est la même année que Comenius arrive à Amsterdam, après avoir perdu pour la troisième fois toute sa bibliothèque, donc tous ses travaux, il faut recommencer à plus de 60 ans de nouveau toute son œuvre. Donc ils sont à peu près là, tous les deux, à se demander qu'est-ce qui a du sens encore dans ma vie. Voilà, je deviens un vieil homme, j'ai tout perdu, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Ils sont là à ce moment-là et votre livre est à ce moment-ci aussi. J'imagine que vous avez été terriblement touché par l'actualité qui tout d'un coup vous rattrapez, cet homme qui est européen, qui est un pacifiste né, qui prône l'éducation, qui prône le travail auprès des enfants, et ce qui nous arrive en Europe ces derniers mois. J'imagine que la sortie du livre et les événements qu'on connaît ont été concomitants. Ouais, c'était assez terrible. J'avais l'impression que certaines pages du roman pouvaient être l'article du Monde, et c'était... Oui, d'une actualité terrifiante. Donc là, j'ai parlé, c'est une concordance des temps et des faits qui est terrible. Et on se dit, oui, que de temps, je ne sais pas s'il est perdu, mais il est... Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Voilà. Il y a un autre aspect dont j'aimerais que vous nous disiez un mot, c'est... Parce que je trouve qu'il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé, qui est important dans ce livre, c'est Amsterdam. Amsterdam à la croisée des cultures, ville refuge à cette époque-là, ville de l'exil. Dites-nous un peu l'Amsterdam de ces années. L'Amsterdam, c'est presque comme une anomalie en Europe à ce moment-là. C'est une ville pendant un demi-siècle, c'est un siècle d'or, c'est une ville très très riche, extrêmement tolérante. C'est un résultat des longues batailles des provinces unies avec l'Espagne. Ils obtiennent effectivement le fait d'être une république. Donc c'est un phénomène très rare sur le continent européen à ce moment-là. Et il y a une tolérance qui ne se passe pas, bien évidemment, toujours très bien. On va toujours avoir les tensions. Mais c'est une ville, comme vous dites, de l'exil, cosmopolite, des communautés juives du Portugal. Donc Spinoza grandit là. Vous avez donc tous les protestants, enfin une grande partie des protestants tchèques qui arrivent et qui sont en partance vers l'Amérique parce que là c'est la terre promise peut-être. La symphonie du Nouveau Monde. La symphonie du Nouveau Monde déjà, elle se joue là.
c'est la bataille des mers. Et c'est aussi, comme moi, je l'avais un peu dépeint, comme la première ville frontière d'Europe. Parce que l'Europe, à ce moment-là, prend ses contours extérieurs. On se bat pour la suprématie des mers. On sait bien que le territoire européen ne suffira pas. On est déjà loin. Et on regarde pour la première fois le continent européen de l'extérieur. Donc, voilà, New York, enfin, Nouvelle-Amsterdam, de l'autre côté, devient New York, c'est terminé. Il y a plus, l'Europe n'a plus la mainmise sur le continent. On commence à donner les nouveaux noms, on prend l'indépendance. L'Afrique, c'est pareil. Elle a, il y a des comptoirs qui se créent, mais les comptoirs prennent aussi leur propre positionnement et pouvoir. Et tout ça rentre plus tellement par l'Italie, mais par Amsterdam. Donc le monde entier, planète à ce moment-là, rentre en Europe par Amsterdam. Donc une richesse incroyable et une diversité, une source d'émerveillement, de curiosité, mais aussi oui, des sources des conflits, bien évidemment. Donc on trouve encore les traces aujourd'hui d'ailleurs. Oui, elle est toujours dessinée quand on regarde les plans du XVIIe siècle sur Amsterdam. Et ce qui est très drôle, donc elle est construite sur les pieux, sur les arbres qu'on a ramenés de Norvège. Donc on a pratiquement rasé les forêts en Norvège pour pouvoir construire Amsterdam. Il y a une toute petite bête qui range ces pieux en bois. Donc en fait, il faut être charpentier à Amsterdam et il faut toujours traiter des pieux sous l'eau pour qu'ils ne soient pas bouffés, parce qu'Amsterdam peut couler un peu comme Venise à tout moment. C'est très rigolo qu'une petite bête peut démolir carrément cette ville, voilà, si on ne prend pas soin de sa base. Peut-être pour terminer notre rencontre, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur votre travail sur la langue française. Vous faites partie de ces écrivains qui, on le disait tout à l'heure, ont changé de langue. Et ça n'est pas rien. D'abord écrit en tchèque, qui écrit aujourd'hui en français pour ce qui concerne la fiction, même si vous continuez à écrire en tchèque par ailleurs. Qu'est-ce que l'on peut dire en français que l'on ne dit pas en tchèque pour vous? Est-ce que ce sont deux langues d'une certaine façon équivalentes, mais vous avez souhaité passer de l'une à l'autre? Ou est-ce qu'il y a une distance qui est créée par le fait de la pratique d'une langue seconde? Bah, pour moi, la langue française, c'est une langue de choix, de liberté. Je n'ai pas une relation conflictuelle avec cette langue. C'est vraiment une langue qui me permet de dire. Je suis... Ce n'était pas le cas en tchèque. En tchèque, la langue, la relation est devenue périlleuse quand j'ai compris que je peux dire des choses différemment, justement, grâce au français. Quand vous n'en avez qu'une seule langue, vous ne réfléchissez pas sur le fait, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux dire. Dès que vous en avez une autre possibilité, évidemment, on découvre que la langue maternelle, c'est la langue de l'enfance, du toucher, des émotions. Je suis très bavarde en tchèque. Je peux écrire des phrases avec les ornements, avec les périphrases, me perdre, dévier l'attention. Je deviens redoutable dans la langue tchèque en définitive pour dévier l'attention du lecteur. Français m'oblige à être sobre, malgré les discours des deux là, et plus précise. Et donc ça devient vraiment intéressant de concentrer sa pensée. Et c'est parce qu'il y a la contrainte de manque de vocabulaire et d'expérience et de référence dans la langue française que je suis obligée d'être plus inventive. Là où je peux être presque lâche dans la langue maternelle, je peux me cacher, je suis obligée de jouer plus à découverte dans la langue française. Donc c'est intéressant et je le confirme ensuite par la traduction de mes romans du français vers le tchèque. Donc là, je sais que je n'aurais pas écrit mes romans en tchèque directement de cette manière-là. Et à ce moment-là, vous jouez des ornements, vous en rajoutez ou vous êtes fidèle? Alors, à l'auteur? Je traduis, mais la langue tchèque me rattrape toujours un peu. Je me suis aperçue que j'ajoute de temps en temps des petits mots qui en fait colorent plus d'émotions. La langue française supporte très bien la sobriété, au contraire, presque l'exige pour que la littérature ait lieu. Il faut vraiment une maîtrise de la langue,
Alors qu'en tchèque, on supporte, cette langue-là supporte plus l'émotion, plus une certaine, ce qui serait considéré en français peut-être presque comme gnon-gnon. Oui, enfin, quelque chose de c'est comme ça. Et par exemple, en tchèque, on a plusieurs expressions. Suivant quelle expression on va utiliser, on peut imaginer très bien la taille d'une table. D'une grande table jusqu'à une toute petite table. En français, vous avez la table et la petite table. On a une tablette, mais ce n'est pas tout à fait la bonne chose. Et donc, si vous avez un texte avec beaucoup de petites tables, c'est absolument atroce à lire. En tchèque, vous pouvez utiliser vos 4-5 expressions pour table, ce n'est pas atroce. Ça vous donne l'équipement de la pièce très exact. C'est en train de nous dire que voilà. Le français a une pauvreté de vocabulaire. Non, j'ai dit que je n'ai pas encore analysé très bien où se joue la richesse, dans la conjugaison, attention. La langue française est le maître du temps. Elle conjugue. Vous rattrapez voilà. Dans le cadre de l'Alliance française tout de même. Oui, enfin, c'est ça. Tenir bon, des propos comme ça. Ouais. Non, mais il faut apprendre le tchèque aussi. Comenius écrivait en latin, Kafka écrivait en allemand, Kundera s'est mis à écrire en français. Il s'inscrivait dans une tradition tchèque du changement de langue. Ah, c'est bien ça. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas, comment dire, je crois que c'est par une conviction profonde que l'Europe est un continent de traduction et qu'on ne peut pas vivre au-delà que dans sa langue, que cet échange est nécessaire. Si on peut le faire par soi-même, on le fait. Ensuite, on se traduit ou on fait traduire ce texte dans sa langue maternelle et de préférence dans d'autres aussi. Et c'est aussi comme ça que autre chose que juste le fait parce que la culture se transmet. Je considère ça comme très important. J'ai mentionné Jean Steiner, je le rementionnerai. C'est vraiment la première langue de l'Europe, c'est la traduction. Et pour pouvoir l'utiliser, user la traduction, il faut apprendre, il faut exercer la langue de l'autre. Il faut bien connaître la sienne, mais il ne faut pas se priver de la langue des autres. Il ne faut pas se priver de la langue de l'autre. J'aime bien qu'on termine sur cette phrase, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Lenka, de vous être livrée à ce jeu de questions-réponses. Vos 4 livres, pour les gens qui sont dans la salle, sont disponibles à la table de la librairie. Pour les autres, nous, on vous donne rendez-vous dans une prochaine rencontre organisée par l'Alliance française, la Fondation des Alliances françaises, en complicité avec les instituts français. Et ce soir, la rencontre a été possible grâce à Flore, Cerise, Angela et Mohamed qui étaient aux manettes derrière les caméras, derrière les éclairages et tout ce qu'il faut pour faire cette rencontre. Merci beaucoup, Lenka. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et bonne lecture. Merci.